Pendant l'Antiquité, un peuple vivait dans le sud-est de l'Europe et un peu en Asie, c'était le peuple grec. Les Grecs de l'Antiquité habitaient dans des cités-États. Ils se faisaient souvent la guerre entre eux et chaque cité-État était indépendante, mais plusieurs choses les unissaient quand même. D'abord, ils parlaient la même langue, la langue hellénique. Ensuite, ils avaient des lieux de culte en commun qu'on appelle des sanctuaires panhelléniques pour tous les Grecs. Dans un sanctuaire, il était interdit de se battre car ils allaient là-bas pour honorer les dieux. Comme à Olympique, par exemple. À Oracle, on honorait les dieux Zeus en apportant des offrandes et en organisant des jeux sportifs tous les 4 ans. Comme aujourd'hui avec les Jeux olympiques. Tous les Grecs de toutes les cités connaissaient aussi les histoires écrites par Homère dans les livres l'Iliade et l'Odyssée. L'Iliade raconte les aventures du héros Achille pendant la guerre de Troie. Et l'Odyssée raconte les aventures du héros Ulysse quand il rentre chez lui en bateau après la guerre de Troie. Toutes ces légendes avec des héros comme Héraclès, avec des dieux comme Poséidon et avec des monstres comme le Minotaure. On les appelle des mythes, c'est ce qu'on appelle la mythologie grecque. Tous les Grecs de l'Antiquité avaient aussi les mêmes dieux. Ils en avaient plusieurs, donc leur religion était une religion polythéiste. Nous allons maintenant vous présenter nos exposés sur quelques dieux de la mythologie grecque de l'Antiquité. Alors, on va vous présenter un exposé sur Zeus, dieu du ciel et du tonnerre. Ses attributs, ce sont la foudre et l'aigle. Ses talents et ses forces, il est le roi des dieux. Il contrôle le tonnerre. Sa famille. Son père, Cronos. Sa mère, Héra. Sa sœur, Rhea, est aussi son épouse. Il est aussi le frère de Poséidon, de Hadès, de Déméter et Hestia. Ses faiblesses. Il a beaucoup de maîtresses, il trompe souvent sa femme. Alors c'est la fin de notre exposé. J'ai travaillé sur Héra, c'est la déesse du mariage. Ses parents sont Cronos et Rhea. C'est aussi la sœur et la femme de Zeus. Ses frères et sœurs sont Poséidon, Déméter, Hadès et Hestia. Ses attributs sont le sceptre, le diadème et le paon. Ses talents et forces sont que c'est la déesse du mariage. Elle protège les femmes mariées. Ses défauts et faiblesses, c'est qu'elle est très jalouse. Héraclès, demi-dieu de la force, la famille d'Héraclès. Son père est Zeus, sa mère est Alcmène, son demi-frère est Apollon. Les attributs de Héraclès sont une peau de lion, la massue et l'arc. Les défauts et les forces d'Héraclès, très fort, très courageux et l'immortalité. Et défauts et faiblesses, il n'y en a pas. Je vais vous présenter mon exposé sur Artémis. Elle s'appelle Artémis chez les Grecs et Diane chez les Romains. Elle est la déesse de la chasse, de la nature et de la lune. Ses attributs sont l'arc, ses flèches, le carquois, le chien, le croissant de lune. Sa famille, c'est Zeus son père, Leto sa mère. Son frère jumeau s'appelle Apollon. Ses deux frères et sœurs sont Athéna, Dianos, Hermès, Héraclès, Aphrodite, Persée, etc., etc. C'est à lui sa force. C'est une grande chasseuse. Elle est habile. Ses défauts et ses faiblesses. Elle ne veut pas se marier et avoir d'enfants.
Nous avons travaillé sur Poséidon, le dieu des mers et des océans. Nous allons vous décrire sa famille, ses parents Cronos et Rhea, ses frères Zeus et Hadès, ses sœurs Astia, Héra et Démeure. Nous allons vous présenter ses attributs. Le trident, le cheval et le dauphin. Maintenant, nous allons vous dire ses talents et sa force. Il soulève les mers avec son trident. Nous allons vous présenter ses défauts et ses faiblesses. Il se met souvent en colère. Je veux vous présenter le dieu de la guerre Arès. Ses attributs sont le casque, l'armure et le bouclier et le vautour. Sa famille est Zeus, son père, Héra, sa mère. Ses talents et sa force, très fort et un grand guerrier. Ses défauts et faiblesses, il est cruel et brutal. J'ai travaillé sur Aphrodite. C'est une déesse de l'amour et de la beauté. Sa famille a Zeus, son père, et Héphaïstos, son époux. Elle a des défauts et faiblesses. Elle est infidèle, capricieuse, cruelle et rancunière. Ses attributs sont le coquillage, la rose, la colombe. Elle a aussi des talents et de la force, le charme, l'amour et la beauté. Nous avons travaillé sur Athéna, déesse de la guerre, des arts et de la sagesse. Sa famille, son Zeus, son père, Métis, sa mère, Hermès, son frère. Ses attributs sont la chouette, le casque, la lance, le bouclier, l'égide. Ses talents et sa force, elle est intelligente, c'est une grande guerrière. Je